de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur Outlast 2 pour la suite de notre let's play. Et on est parti pour continuer. Donc la dernière fois on avait rencontré Ethan et il est mort en essayant de nous défendre. Et il a été tué à cause de nous. Je sais pas trop bien pourquoi. Parce qu'en même temps on lui a menti, on lui avait dit que sa fille allait bien alors que nous en fait on en sait rien. Du coup on a menti à Ethan, il est mort parce qu'il pensait qu'on allait sauver sa fille. En gros on a été très méchant. Du coup maintenant on est parti pour continuer. Et on essaye de réussir ce let's play. J'aime beaucoup ce let's play, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens le regardent sur ma chaîne, mais moi j'aime bien. Ok, attendez, j'ai besoin de la lumière. Ok, on va rentrer dans les intestins du monde. Ok, c'est une grotte. Ah, par contre là j'ai réellement besoin de la lampe. Ok, chut. On va rentrer là-dedans. C'est parti. Ouh. On a vraiment besoin de la lampe tout le temps. Oh. Mais on arrive où là? Je sais pas du tout où on est. Ok, on va voir ce qui va se passer ici. Donc là on est en train de scanner un truc, on filme. Nickel. Waouh. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ok. Élise? C'est joli. Y'a un bébé là. Je sais pas si c'est un vrai ou pas. C'est très glauque comme endroit. C'est un trou ça? Non, c'est bon, c'est juste de l'eau. Ok. Oh, une pile. Je sais pas ce qu'une pile fait ici, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a rien d'autre. Ok. On se dépêche, on se dépêche. Hop. Ouh. J'ai failli mourir. Ok, c'est bon. On va monter là-haut. Mais qu'est-ce que je fous là? Ok, apparemment il faut que je passe par là. Il y a un truc là-bas, attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais genre je suis pas complètement sûr. Sauvegarde. Oh, je le sens pas, je le sens pas. Qu'est-ce que je fous ici? Au départ c'était un vlog de vacances, puis c'est parti en chouquette et tout le monde est mort. Il y a quelqu'un là-bas? Bon, heureusement qu'il y a des torches, au moins c'est éclairé. On y va, on se dépêche, on se dépêche. Eh oh, je viens en paix. Je suis l'ivoire de pizza. J'espère qu'ils veulent des pizzas. J'ai l'impression qu'il y a personne ici. Ok, là il y a plus de lumière, donc la grotte se termine là. Ah, je le sens pas. Il y a quelqu'un. Elle est là. Il y a Lynn. Faut pas qu'on aille trop vite. Ah, y'a Lynn qui est juste là-bas. Faut qu'on se faufile. La musique devient stressante. Ok, est-ce que Lynn est là? Mais j'ai vu quelqu'un qui était mort là. Y'a pas une fille pendue juste là? Elle a disparu? Ça devient glauque. J'ai peur, je sais réellement pas où je suis. Encore une grotte. Ah non, c'est bon. Waouh! Ils ont une énorme ville! En vrai, c'est joli ici. Genre, s'il faisait beau, qu'il y avait des oiseaux et tout, ce serait cool, mais. Waouh! Ils ont même fait une croix là-haut. Ils sont allés à fond là-dedans dans leur délire. Hein. Ok, ok, on va se calmer deux minutes. On regarde pas en bas. On regarde pas en bas, j'ai dit. Pourquoi je regarde tout le temps en bas? Ok, ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se dépêcher. Par contre là j'ai réellement besoin de ma vision nocturne et ça j'aime pas trop. Y'a quelqu'un qui est mort ici. Il aurait pas laissé une pile. Parce qu'à chaque fois il y a une lampe torche mais il y a jamais de pile avec. Alors est-ce qu'on doit descendre ou est-ce qu'on doit aller par là? Je pense que le chemin veut qu'on descende. Donc on va descendre rapidement. J'entends des criquets. Donc les criquets c'est bien les criquets. Y'a quelqu'un là-bas ou pas? C'est quoi ça? Bon, l'avantage en fait de la caméra, c'est qu'on peut voir de très très loin grâce au zoom. Ça, c'est très cool par contre. Ah, j'ai peur. Je pense qu'on va devoir aller ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Je vois aucune pile par terre. Chut. On y va discret. Chut.
Y'a quelqu'un? C'est vraiment dommage en fait que Ethan il soit mort parce que Ethan il était trop cool. Il nous a donné à manger et tout et il était cool. What? J'ai activé un piège? Y'a quoi dans cette boîte? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, on peut passer par là. On a presque plus de batterie. J'ai bien entendu quelqu'un, on n'est pas... Je suis pas fou, hein. Ok, il y a une lettre juste là. Ah, c'est encore des trucs sur le papa Knopf et tout. Je lis pas ce genre de choses. C'est pas que j'aime pas l'histoire, mais je trouve ça un peu inutile. Ok. Là, y'a rien. Des poupées. Qu'est-ce que je fous ici? On va déverrouiller la porte. Elle pouvait pas... Pourquoi ils sont pas EDF ici, sérieusement? Il n'y a aucune électricité. Vous pouvez pas arrêter de faire stresser tout le monde avec votre musique? Oh, y'a quelqu'un là! Ok, on recharge, on recharge. La personne est morte. Y'a pas une pile? C'est bien, dans ce pays, y a du maïs partout, mais y'a aucune pile. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un, ça aussi. J'ai entendu quelque chose. Quelqu'un a dû rentrer. Ok, on va aller en haut. Wow. Est-ce qu'on est dans le bureau du boss? Ah, il y a encore une lettre là. C'est encore des trucs sur le Ezekiel, Papa Sullivan et tout. C'est pas super utile pour moi. Là, ils ont mangé du poulet. Mais qu'est-ce que je fous ici? Allez, on va ouvrir la porte. Il y a une porte juste là. Ah, elle est fermée. Et je suis sûr qu'il y a plein de belles choses derrière, genre de la glace. De la glace et des cookies. Je suis sûr qu'il y a de la glace et des cookies derrière cette porte, mais on pourra pas y aller. Oh, je suis stressé. Mais j'aime bien ça. C'est le but du jeu, c'est l'ambiance. À moins qu'on puisse passer par la fenêtre. Non? On peut pas ouvrir cette fenêtre? Ah, c'est dommage qu'on puisse pas, parce que du coup, on pourrait... Attendez, quoi? Parce que si on pouvait... Il y a un truc derrière cette armoire? Ah, ok, il y a une porte. Non, même pas? Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, regardez, une porte derrière l'armoire. On va la pousser rapidement. On a les ongles très sales. J'espère que personne nous entend avec ce bruit. Ok, donc là il y a une porte, donc on peut sortir. Chut. Il y a un rocking chair ici. Est-ce qu'on doit sauter? Bah, thug life. Ok, on se dépêche, on se dépêche. Je sais pas qui c'est leur dieu exactement, mais il est très convaincant. Je suis jamais allé en Arizona, mais j'espère que c'est pas comme ça pour de vrai. Dans ce cas-là, j'irai réellement jamais. Parce que si en Arizona, les gens ils sont fous comme ça, moi je veux faire rien. Ok, il y a une poignée, on peut tirer. Je suppose que c'est un ascenseur. Ils doivent avoir un générateur ou quelque chose. Ok, il faut démarrer. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. Ok, donc il faut trouver genre un générateur. Pas de problème, je pense. Ok, il y a des choses là-bas. Il y a un épouvantail. Il y a des cris d'humains. C'est pas génial. Oh non, c'est encore la femme. Elle est là-bas. Ok, on se barre, on se barre, on se barre. On va rentrer dans la maison qui est là. J'ai vraiment pas d'autre choix en fait. Bonjour. Vous avez un bongo? Enfin, c'est un banjo. Moi j'appelle ça bongo parce que bongo. Ok. Ça veut rien dire. Y'a quoi ici? Cette maison a l'air cool. On peut ouvrir la fenêtre mais on peut pas la fermer. Oh fuck, j'ai déjà plus de batterie.
Mais sérieusement? Ok, là-dessus, il n'y a pas besoin de batterie ici. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de batterie. Qui utilise encore des piles? Je pense qu'on va devoir en fait fouiller de maison en maison pour essayer de trouver du coup le générateur. Et je sais réellement pas où on va le trouver. Je sais même pas à quoi ça ressemble un générateur. Bonjour, je suis technicien en générateur et je cherche votre générateur. C'est pour... c'est pour être cool. Tiens, on va passer par là. Je découvre des choses en vrai. Ok, il y a quoi ici? Il y a un mort. Est-ce qu'elle est encore là, la femme? Et la lumière là-dedans, certes, je pense que c'est encore habité. Oh, une pile. Ah, merci. Merci, Dieu de la pile. Et on rentre dans une armoire. Et on ressort de l'armoire. Pourquoi? Parce que je sais pas. Ok, on va continuer à avancer. Ah, what the fuck? C'est quoi ton problème? Mais vous avez tous un putain de problème maintenant. Mais c'est des psychopathes. Ok, donc cette maison-là, je pense pas qu'elle est bien. Et celle-là, on a vu qu'il y avait un tueur à l'intérieur. La femme qui parle, elle me stresse énormément. Je sais pas pourquoi. Elle m'attaque pas? Ok, on rentre par là, on rentre par là, on rentre par là. Je sais pas ce que je fais. J'ai craqué. Au revoir. Ça fait tellement du bien quand elle la ferme. On va partir. Je pense que la femme qui est en bas, elle nous fera rien en gros. Je pense que elle est comme la dernière fois, vous savez, la, comment dire, le vieux qui nous regardait tout le temps mais qui nous attaquait jamais. Je pense qu'elle, elle est pareille en fait. Du coup là, on va pouvoir partir. Oui, oui, la douleur, Papa Knof, on connaît. On peut rentrer par là? Cool! On est des ninjas! Est-ce qu'on peut partir par là? Cool, on peut. Oui, viens, il y a un garde là-bas. Chut. Oh. Est-ce qu'il me voit? Oh, le bouffe. Il vient vers nous. Ok, remonte par la fenêtre, remonte par la fenêtre. On meurt pas. Est-ce qu'il va nous suivre? Il est là. Coucou. Va-t'en. Parce qu'il n'y a pas l'entrée dans la maison. Enfin, il y a une entrée, mais je pense pas qu'il soit assez intelligent pour y aller. Oh là là, le con. Oh, on a réussi. Ok, est-ce qu'il est encore là? Il est juste là. On y va, on y va, on y va. Mais il est parti? Ok, non, il est juste parti là-bas. On se calme, on se calme. Y'a pas des piles, je commence à en avoir besoin. Oh! Ils sont morts? Bonjour? Je dérange pas votre dîner de famille, hein, je passe juste prendre des piles. Entre voisins, on se comprend. Y'a le garde dehors, j'espère qu'il m'a vraiment pas vu. Est-ce qu'il est encore là? On va ouvrir très lentement. Mais non! Au revoir! A plus! A plus dans le bus! Il va me suivre, il va me suivre très loin. Merde, ils sont deux, ils sont deux! Les gars! Je suis pas votre pote! Ok, on va trouver le générateur. On trouve le générateur, on se barre. On trouve le générateur, on se barre. Ouvrez cette porte. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Fuck! Extrême parcours! Je suis un fou! Pourquoi je peux pas entrer là-dedans? Ok, c'est bon, je peux rentrer. On barricade, on barricade, on barricade. Ils savent plus où je suis. Ils savent pas où je suis. Y'a pas une armoire? J'ai réussi à m'enfuir! Wouhou! Il est là, il est là, il est là, il est là, il va arriver. S'il rentre, je suis mort. Ok, il a pas l'air déterminé pour rentrer. On va aller par là pour l'instant. Quoi qu'il y ait une fenêtre. Je serais plus d'avis par... On va passer par la fenêtre. Y'a pas le générateur dans le coin parce que... En vrai, ça me plairait qu'il y ait un générateur. Bon, maintenant on sait qu'on peut esquiver la plupart des gens. Ok, on va passer par là, je pense. Faut trouver les meilleurs endroits pour passer. Hein. Est-ce qu'on peut escalader ça? Non, il fallait pas arriver. Chut. Parce que là, par contre, c'est ma dernière batterie. Hein. Après, je suis foutu. Beaucoup de choses ici.
Ok, là, il y a du monde dans la maison. Ok, ok, alors, là, je sais que vous avez tous halluciné. Je suis très content. En gros, quand j'ai continué à fuir, genre, ça faisait genre 10 minutes que je courais autour de tous les bâtiments. Et puis, à un moment, j'ai découvert ça, le générateur. Chut. Ok, le générateur est là. Mais j'ai peur que si j'active le générateur, il y a tout le monde qui entende. Parce que ça a l'air d'être un truc vachement important pour eux. C'est quand même leur seul générateur. Ça doit être ça. Allez, moi, je suis EDF. Si je peux retrouver mon chemin vers l'ascenseur. Je l'ai activé ? Ok, ok, faut que je l'active. Là, il fonctionne. Ah, mon beau générateur. Ah ! Mais t'es complètement malade ! Elle est complètement psychopathe, Mémé ! Ok, Mémé, tu parles beaucoup. Ok, faut pas que je m'approche d'elle. Putain, elle m'a fait peur. À moins que quand elle parle, je puisse courir. Vous savez quoi? Ok. Elle est toujours pas de pile, hein, par contre. Les piles, y en a nulle part. Y'a quoi là-haut? Ah oui, c'est fermé. Alors je sais où est l'ascenseur, par contre, ça c'est cool. Par contre, on va devoir courir très vite. Ça c'est moins cool. Y'a quelqu'un là-bas? Go, go, go. Je rush. C'est juste en bas là-bas. Putain, je cours vite. Bonjour. Au revoir. Faut que je me cache. C'est la femme folle. Ah, mais va-t'en. Je t'ai rien fait. Mais couille, mais putain, une deuxième fois. Là, je cours. Je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est genre que je me cache quelque part. Et comme ça, peut-être qu'elle me cherchera un autre endroit, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Tout va trop vite dans ce jeu. Tout. Ok, est-ce que genre... Ah, y'a pas de tonneau là? Merde. Parce que toutes les portes sont fermées par contre. Ça fait 5 minutes que j'essaye, toutes les portes sont fermées. Donc est-ce qu'elle va arriver par là ou pas? Si elle arrive par là, je fuis. Parce qu'après moi, je pourrais toujours foncer, prendre l'ascenseur. Comme ça, elle pourra pas me suivre. Mais le problème, c'est que là, elle est juste là. Et je sais pas où. Est-ce que je crois qu'elle m'a pas suivi? Elle est complètement aveugle. En même temps, quand t'es vieille. Merde! Elle est aveugle, mais elle est pas sourde! Fuck ce jeu, fuck tout le monde. Je cours comme si ma vie en dépendait. J'ai pas envie de perdre mes testicules une deuxième fois. Je sais pas par où aller! Je crois qu'on était pas venu par là tout à l'heure. Il y a une entrée juste là. Putain, je savais par où. Je vais courir. Cours. Je cours ou je suis mort. Fuck. Ok, l'ascenseur est juste là, l'ascenseur est juste là. Je peux le faire. Allez, vas-y. Au revoir. Se soigner. Au revoir. Fuck. Ok, on a réussi. Yes. Check tout le monde. Pouf. Oh, c'était chaud. On est au Temple Gate, donc le temple dont tout le monde parle dans le jeu depuis que je suis arrivé ici. J'aime beaucoup. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi, mais ici je me sens mieux. Tant qu'il y a pas l'autre, je me sens mieux. Jessica. Je l'entends, elle est dans le puits. J'ai perdu la boucle. Non, elle vient du puits. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont mis à l'intérieur? What? Il s'est passé quoi? What the fuck? J'ai pas compris. Genre, là il est derrière votre écran, je suis sûr que vous stressez et tout. Moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça m'a fait rire. On est où maintenant? Ça me dérange pas de venir t'aider, mais c'est un peu compliqué là. Je pense que je dois aller par là. J'ai pas envie de te laisser, Lynn. C'est Jessica ou c'était Lynn? Ouais, ça vient de... Ça vient d'où, là? Ça vient d'où? S'il te plaît, Blake. Encore en classe? Mon pire cauchemar. Non. Je t'en supplie. Où es-tu? C'est plutôt à toi de me dire où tu es, ce serait beaucoup plus rapide. Ok, la porte est fermée. Oh fuck. Mais qui
Qu'est-ce que je fous ici? J'aime pas l'école. L'école, ça fait peur. Il y a une lumière là-bas. Et je suppose que c'est fermé. Ok. C'est-à-dire qu'on doit forcément aller par là. Il y a une lettre. J'arrive pas à la lire. Elle a pas été traduite. Ok. Je pense qu'on a utilisé ça. C'est à Jessica. C'est creepy. C'est le genre de truc à pas faire du tout. Moi, ça, j'ai très peur de ça. Je suppose qu'on va attirer des monstres. Oh, une pile. Arrêtez de rigoler, j'ai rien fait. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Elle est juste là, elle est partie par là. Elle est là-bas. Faut que je fasse... Je fais gaffe, faut qu'il n'y ait pas des piles. Raco, quel cri, faut y aller, faut y aller. Oh, une télé. C'est moins important que ma femme. Attends, elle est morte? Elle vient de se pendre et il y a un monstre au plafond. Exit. Est-ce qu'on peut pas sortir? Ok, on se cache, on se cache. Il y a un monstre. Il y a un monstre, il y a un monstre. Il y a un monstre juste devant nous. On se cache, on se cache. What? What the fuck? Qu'est-ce que tu veux? Va te faire foutre! Merde, on est retourné au, à l'endroit normal. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fous ici? C'est pas où je dois aller. C'est du parcours, c'est du parcours. C'est un boss ou quelque chose comme ça. Attends, je sais pas où aller. Ok, cool, un bandage, ça c'est cool. Pourquoi tout le monde est mort? Saute! Mais putain, pourquoi saute pas? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va, on y va, on y va. On peut y arriver. Ok, c'est bon, c'est par là, je pense. Ok, ok, chut, chut. Personne nous voit, personne nous voit. C'est tout le monde. C'est creepy. Ok, on va. Faut suivre la lumière, c'est ce qu'on m'a toujours dit. On va suivre la lumière. Elle est juste là, la lumière. On se dépêche, on se dépêche. Ok, on lock, on lock. Y'a pas une fenêtre à fermer aussi? Okay, on va passer par là. Bonjour! Au revoir! Oh merde, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un! Comment on se cache sous le lit? Oh merde! Comment on se cache? J'ai pas envie qu'on prenne un risque. Genre qu'il revienne après si on va dans l'autre pièce et que genre c'est une pièce fermée ou quoi. Et j'ai envie qu'on attende qu'il fasse son tour. Il est content, il a fait son tour, tout va bien dans sa vie, il peut aller voir sa femme et tout. On va attendre qu'il fasse son tour. Voilà, il fait un tour! J'avais bloqué l'autre côté donc dans tous les cas c'était mort pour lui. Donc on va attendre 2 secondes. On mange une cracotte. On attend comme on peut hein. On y va, on y va, on y va. Il a défoncé la porte. Je suppose qu'il faut que j'aille là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut la loquer, cool. Oh merci. J'ai bloqué avec l'armoire à la porte. Y'a plus aucune chance qu'ils viennent maintenant. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur Outlast 2. Je me suis éclaté à la faire. Si vous l'avez aimé et que vous voulez voir plus de vidéos sur le jeu, n'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé jusqu'au bout. A plus, mon Cyriton. Et ciao.